Fontaine. Bonne année à tous, très bonne année, très bonne santé. Ce soir, notre invité principal, c'est Hervé Morin. Hervé Morin, bonsoir. Hervé Morin, le ministre de la Défense, ça veut dire qu'en cas de guerre, c'est vous qui êtes chargé de nous défendre. Mais il y a un chef des armées. Ah, ouf. C'est le président de la République. Ah oui, d'accord. Ah oui. En même temps, vu l'état du pays, je me demande qui pourrait avoir envie de nous envahir. Même les Allemands, ça fait 70 ans qu'ils ne nous ont pas envahis. Donc. En réalité, on n'a pas d'ennemis. Oui. La seule chose qu'on a, ce sont en revanche des menaces. Oui. Par exemple, la menace terroriste, oui. C'est une menace réelle. Bon, on en parlera. Nous parlerons de vous, de votre vie, de votre carrière, de votre mission, Hervé, au sein du gouvernement, à commencer par la guerre contre les pointes sèches et les cheveux cassants. En P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Anne Roumanoff, qui cartonne chez Drucker et sur scène au Bouffe Parisien. Énorme succès, Anne Roumanoff. Ce qui est sympa avec Anne, en fait, c'est que le succès l'a pas changé du tout. Enfin, je veux dire, physiquement. Toujours en P2, nous rejoindra Abdel Malik, qui nous parlera de Dante, son troisième album, déjà disque d'or. Et pourtant, il est noir, musulman et alsacien. C'est pas gagné au départ. Non. En P3, nous recevrons Patrick Peloux, dont le livre « Urgence pour l'hôpital » aux éditions du Cherche Midi est tout à fait d'actualité après la série noire qui vient de frapper notre système de santé. Faut dire que maintenant, l'attente est tellement longue aux urgences qu'on demande aux gens d'y aller avant d'être malade. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les terriens » et l'orchestre « Les Gréements de Porto ». Alors, vous êtes né en 1961 à Pont-Audemer, dans l'Eure. Vous avez passé votre enfance en Normandie, à Épeigne, où vos parents avaient une entreprise de maçonnerie plus une ferme. Et donc, vous êtes très attaché à la terre au départ. Vous dites souvent, je m'endors en rêvant d'avoir une ferme de 300 hectares entourée de vaches et de chevaux. Oui, exact. Vous êtes un amoureux du cheval. Je suis un amoureux du cheval, mais plus globalement, j'aime la terre. Oui. Mais est-ce que c'est parce que vous êtes amoureux du cheval que vous êtes copain avec Roselyne Bachelot, par exemple? Elle est nulle, cette vanne. Elle est vraiment nulle. Non, mais vous avez des chevaux, là, aujourd'hui, non? Oui, j'ai des chevaux, oui. Il y en a un que vous avez vendu à l'émir de Dubaï une fortune, non? Avec vos copains. Vous êtes associé, évidemment. Vous savez, l'émir de Dubaï a la plus grande écurie de chevaux de course et il veut gagner toutes les courses. Ouais. Et donc, c'est assez simple. Chaque année, il achète tous les chevaux qui gagnent en espérant gagner des courses après. Ah ouais, ouais. Donc quand vous avez cette chance-là, voilà. Vous avez au moins un acquéreur potentiel. Voilà. Alors, dis donc, vous n'avez pas été un très bon élève. Ouais, très mauvais élève. Très mauvais élève. Et c'est Catherine, en fait, votre future femme que vous avez rencontrée en 1980 à l'âge de 19 ans, qui vous a poussé à faire des études. Pourquoi? Parce qu'elle, c'était une fille de bonne famille, elle ne voulait pas épouser un paysan, c'est ça? Oui, mais c'est exactement ça. Ah ouais. Voilà. Et quand je l'ai connue, après avoir redoublé ma seconde, redoublé ma première, viré d'un premier lycée, puis viré d'un deuxième établissement dans lequel j'étais rentré par piston, par ma cousine, parce que plus personne ne voulait de moi, et la chance de ma vie a voulu que, la veille de mon expulsion, j'ai connu celle qui allait devenir ma femme. Ah ouais. Et là, quand je dis, bah, tu sais, ma perspective, c'est qu'éventuellement, si j'ai mon bac, ou si je ne l'ai pas, c'est d'être paysan, reprendre la ferme familiale. Elle m'a dit, moi, jamais je me marierai avec un paysan. Ah ouais. Et comme j'ai eu la bêtise d'être amoureux, je me suis mis à bosser. C'est bien, dis donc. Et j'ai eu mon bac au point près. Vous avez eu votre bac, vous avez fait du droit à Caen, Sciences Po à Paris. Après, vous étiez bon élève, après. Après, je deviens très bon élève. Oui, très bon élève. Ouais, comme quoi, vous voyez, les femmes peuvent Merci avoir une Catherine. Alors, ensuite, faites de la politique au centre avec François Léotard et François Bayrou. Donc vous avec François Bayrou, c'était plus au centre qu'avec François Léotard. Oui, et le lendemain du premier tour de la présidentielle, vous quittez François Bayrou pour rallier Nicolas Sarkozy. Il vous avait consulté avant de ne pas voter Nicolas Sarkozy au deuxième tour? Vous croyez? À mon avis, non. Oui, vous avez raison. Voilà, donc vous quittez François Bayrou, vous partez chez Sarkozy en amenant avec vous quand même les trois quarts des députés UDF, hein, c'est pas mal. Vous créez un nouveau parti, donc qui s'appelle le Nouveau Centre,
Alors, la différence avec l'ancien centre, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir le pull noué sur les épaules ou des trucs comme ça. C'est quoi, là? Non, c'est un jour ou l'autre, nous changerons de nom. Et Thierry, je vous invite... J'ai un nom pour vous. L'avant-centre. L'avant-centre, oui. C'est beaucoup mieux. Ouais. Un mec qui a la défense et qu'en même temps à l'avant-centre, voilà. Ça serait énorme. Ouais. Le bilan du nouveau centre, aujourd'hui? La défense du pluralisme, par exemple, inscrit dans la Constitution. Ouais. Le référendum d'initiative populaire. Ouais. Le combat contre les niches fiscales. Et enfin... Edwige. Edwige. Vous n'aviez pas été là, il y aurait Edwige. Hein. Je ne sais pas s'il y aurait Edwige. Vous êtes levé, seul contre tous. C'est ça, moi, c'est ça. Vous. Alors, l'avenir du nouveau centre, c'est quoi? Parce que là, aux européennes, il faut faire plus de 3% déjà pour être remboursé. Vous n'êtes pas sûr de faire 3%. Sarko, alors, personne ça... ne peut savoir combien vous allez faire dans 4 mois. Sarko, ça l'emmerde aussi, comme c'est un peu difficile pour lui, de voir une liste qui ne soit pas UMP. Donc, est-ce que vous allez y aller aux européennes? Le contexte politique et notamment la probable crise économique et sociale que nous allons vivre fait que le débat politique européen risque d'être brouillé et compliqué. Donc on va se donner un peu de temps pour cela. C'est difficile, vous avez du mal en fait à exister donc, comme ministre parce que Sarko il bouffe quand même beaucoup d'antennes. Difficile aussi pour vous de justifier en tant que ministre de la Défense la guerre en Afghanistan, cette guerre en Afghanistan, personne n'y croit, vous le savez quand même, non? Enfin, vous êtes obligé de dire non, le contraire, non, mais vous savez que personne n'y croit. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Mais écoutez, on va regarder, même Sarkozy, il n'y croit pas, regardez. Et de toute manière, si vous regardez l'histoire du monde, aucune armée étrangère n'a réussi dans un pays qui n'était pas le sien. Aucune. Donc lui, entre les deux tours des présidentielles, au moment où vous le rejoignez, il dit ça. Et quelques mois plus tard, voilà ce qui se passe. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Alors, arrêtez de durer, hein! Vous leur avez souhaité bonne année, bonne santé, j'espère. Ouais, mais vous savez, c'est un 31 décembre qui vaut largement tous les 31 décembre que vous avez pu faire. Ah, mais je suis d'accord, le problème, c'est un moment, ils sont là-bas, les pauvres gars. C'est un moment de fraternité, c'est un moment de communion. Oui, non, mais ça, j'en doute pas. Le problème, c'est de savoir pourquoi ils sont là-bas, parce que vous savez bien qu'aucune armée d'occupation n'a jamais gagné en Afghanistan. Donc, pourquoi on y va, nous? L'Afghanistan, c'était la base arrière du terrorisme international en 2001. Et nous sommes avec 25 pays de l'Union européenne en Afghanistan. Nous y sommes chaque année par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Notre place est là-bas. On ne défend pas les droits de l'homme dans tel pays et on ne les abandonne pas à tel endroit. Donc nous avons à y être en donnant à l'Afghanistan les moyens un jour d'assurer sa sécurité et sa stabilité. Hervé, on est en Afghanistan parce que les Américains sont en Irak et qui ne peuvent pas être sur les deux fronts. Non. Donc on est en Afghanistan à cause d'une décision que le président Jacques Chirac a eu le courage de prendre avec Villepin, seul contre tous. Non. Ça a été formidable. Non, on était fiers d'être Français. On n'allait pas en Irak. Et vous êtes en Afghanistan, parce que les Américains ne veulent pas y être. L'Afghanistan, c'est 2001. Nous y sommes sur une décision commune de Jacques Chirac et de Lionel Jospin. Oui, mais enfin, Chirac, il le faisait pour la frime. Il envoyait 1000 soldats pour avoir la paix. Vous envoyez beaucoup plus de monde que ça. C'était cosmétique, son envoi de troupes. Avec Jacques Chirac, il y avait 2000 hommes. Aujourd'hui, 3000. Mais là, vous y allez vraiment. Vous dites on est là-bas pour éviter le retour d'un régime barbare. Honnêtement, le régime, il est toujours barbare. Les petites filles afghanes, jusqu'en 2001, n'avaient pas accès à l'école. Mmh. On leur coupait les doigts lorsqu'elles mettaient du vernis à ongles sur les doigts. Aujourd'hui, 6 millions d'enfants scolarisés. On est passé, non pas de l'ombre à la lumière absolue, mais on est passé à coup sûr de l'ombre à une situation qui s'est nettement améliorée. Mais ben, si vous voulez défendre les droits de la femme à ce moment-là, pourquoi vous n'en prenez pas l'Arabie Saoudite, où les femmes ne sont pas mieux traitées qu'en Afghanistan? Ouais. Que l'Arabie Saoudite ne soit pas un modèle en termes de dignité de la femme, paix. Ça, tout le monde... L'Arabie Saoudite, personne n'y va. Hein, ouais. La seule chose, c'est que l'Afghanistan, le régime des talibans, c'était la base arrière du terrorisme international et c'était le foyer d'une menace qui demain peut être chez nous. Vous dites, on va là-bas pour protéger les Français du terrorisme, mais est-ce que ce n'est pas votre action qui alimente le terrorisme? Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous en savez? Vous prenez, par exemple, un des foyers du terrorisme qui prend de l'ampleur, qu'on appelle Al-Qaïda Al-Maghreb. Mmh. C'est un réseau
qui est grosso modo de la Mauritanie au Soudan, et vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'Afghanistan. En clair, le terrorisme est une menace qui existait en Afghanistan, qui existe toujours, mais qui connaît aussi d'autres développements qui ne sont pas directement liés à l'Afghanistan. Ouais. S'il suffisait d'occuper l'Afghanistan pour qu'il n'y ait plus de terrorisme, la vie serait belle, vous êtes d'accord ? Nous sommes d'accord. La lutte contre le terrorisme ne se limite pas à l'Afghanistan. Et on va y rester combien de temps en Afghanistan, alors ? Nous sommes en train de faire un énorme effort de formation d'une armée nationale afghane, qui est aujourd'hui une armée de 30 000 hommes, qui montera à 120 000 hommes. Nous avons du retard sur la formation de la police, mais c'est bien cela qu'il faut faire, c'est donner à l'Afghanistan les institutions qui, demain, lui permettra de dire « Je suis en mesure d'assurer la souveraineté de mon pays, et donc, nous pourrons partir. » Chaque année, ça coûte combien de... Là, moi, je peux vous parler pour la France, oui. 250 millions d'euros par an. Ah oui, quand même. Si on considère qu'on a des responsabilités internationales, on doit les assumer avec les autres. Chirac, il n'est pas allé en Irak, c'est pas pour oui, ça qu'on a arrêté d'être une grande puissance. Mais on n'est pas en guerre contre l'Afghanistan. On est là pour faire la paix en Afghanistan. L'immense majorité du peuple afghan n'aspire qu'à une chose, à la paix. Ils vous aiment ? Écoutez, attention, attention, ouais, parce que toutes les armées d'occupation racontent que les gens les adorent. Sauf non, que... mais je sais pas, on n'est pas une armée d'occupation. On a été vécu comme une vraie armée de libération. Pas comme les Américains en Irak, alors. Non, mais demandez à ceux qui, depuis très longtemps, travaillent dans les ONG en Afghanistan, ils vous diront qu'en 2003, en 2004, on a été vécu comme une vraie armée de libération, comme un espoir. Alors, c'est vrai qu'il y a eu les bavures, des tirs, etc. D'accord, quand les Américains bombardent un mariage, c'est sûr que ça ne nous fait pas du bien. Et ça peut nous apporter du terrorisme, ça, pour le coup. Qui, bien entendu, a modifié un peu la perception. Mais aujourd'hui, une grande majorité du peuple afghan aspire à être souverain et à être en paix. Et ils savent que nous participons à cette œuvre. Comme vous le savez, en P2, nous recevons de nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Ce soir, Anne Roumanoff. Et Abdel Malik, bonsoir. Vous connaissez Hervé Morin ? Oui, je l'ai vu à la télé. J'ai jamais fait de vanne sur lui, quand même. Bon, mais tant mieux. Sarkozy l'a mis à la défense. Moi, j'aurais mis Thuram. Il fait ce qu'il veut. Alors, Anne, sont en vente un DVD de votre spectacle. Anne a 20 ans. Un DVD qui est un best-of de vos chroniques chez Drucker, on ne vous dit pas tout, et sont en vente aussi des places pour votre spectacle, Anne, 20 ans et plus. Mais là, ça doit être complet, comme c'est ça se termine. C'est complet, absolument. Fini. Ouais. Il y a une tournée. Jusqu'au mois de juin, ouais. Ah ouais, putain, ça n'arrête pas. Hein. C'est énorme. Et toujours vivement dimanche chez... Tous les 15 jours, ouais. Chez Drucker. Vous êtes devenu culte, hein. Culte, faut pas exagérer. Ah si, il y a des salons de coiffure où il y a des femmes qui demandent « Faites-moi la coiffure, Anne Roumanoff. » Non, je déconne. Vous emballez pas. C'est une vanne. Sérieusement, vous avez trouvé un truc, c'est-à-dire que vous dites tout haut ce que les gens pensent tout bas. Ouais, alors c'est difficile aussi de faire ça sans tomber dans la démagogie ou le populisme. Mais c'est vrai que je vais beaucoup dans des blogs pour préparer les sketchs. Ouais. J'essaie de... Parce que sur Internet, les blogs, c'est les nouveaux cafés du commerce. Donc j'essaie de lire un peu toutes les réactions des gens à l'actualité. Alors des fois, c'est des choses qui ne sont pas forcément mises en exergue par les médias qui font réagir les... Voilà. Ouais. Alors vous commencez à avoir la carte. Hein. Ah bon ? Ah oui, ça y est. Vous croyez ? Après toutes ces années. Moi, ce qui a vraiment fait mon succès, c'est quand même le public, quoi. C'est depuis 20 ans, j'ai mes salles qui sont pleines et c'est le public. Vous n'avez jamais eu de problème de carrière, c'est vrai. Alors, on regarde à quoi ça ressemble. Mais les gens sont jaloux de son bonheur, mais elle est magnifique, Carla, c'est un canon qui a servi, mais c'est un canon, hein. Bah, quand tu sors avec une fille comme ça, t'as intérêt à sortir le grand jeu. Et moi, je dis que d'emblée, Nicolas, elle a fait très fort, parce que je suis sûre que c'est la première fois qu'il y a un homme qui l'emmène dormir à Euro Disney. 3 heures de queue pour 2 minutes de plaisir. Voilà Anne Roumanoff, extrait de Anne à 20 ans, qu'on peut trouver en DVD, voilà. Alors, c'est vrai que vous êtes en train de devenir quand même le symbole de la femme d'aujourd'hui. Ah bon? Non, c'est juste pour amener l'interview. On fait une interview femme d'aujourd'hui. Choisir un mec juste pour une nuit. J'aurais adoré être une fille légère. Ouais. Et c'est toujours important. C'est toujours... voilà, quand je suis mariée, mais je veux dire, quand j'étais jeune, ça,
je me faisais toujours jeter. Enfin, ouais. Non, mais c'était pas. Non, mais j'ai galéré. Ouais, j'ai galéré. Coucher le premier soir, fait ou à faire? Ça, pareil, j'aurais aimé, mais. Non, mais je suis pas capable non plus, ça. Parler fellation avec des copines, ça oui. Non, parce que. Ah bon? Non, j'aime pas parler, c'est intime. Par contre, on se réunit au café avec mes copines après l'école, enfin quand on avait posé les enfants, et. Ah bah 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 bah, et moi il m'a fait ça, da da da, da da. Ah oui, quand même, vous racontez. Ah oui, mais on se défoule. Ah, et ouais. Après, on est de bonne humeur. Rouler des patins à des filles, fait ou à faire? Bah déjà, j'avais du mal avec les hommes, alors. Mais par contre, peut-être que quand je serai vieille. Enfin, ah ouais. À Québec, j'ai vu plein de femmes qui étaient hétéros jusqu'à 55 ans. Après, elles se font jeter, elles n'ont plus de mecs. Et elles deviennent lesbiennes et très épanouies. Ben donc, voilà. J'en ai rencontré plusieurs. Et pourquoi pas, quoi. Bien sûr. Mais... c'est là pour les mecs, ça. On peut tous devenir pédés, il faut faire gaffe. À la bête, tu sais. Alors, vous plaindre en cas de non-orgasme. Oui, ça, c'est... Oui. Ah, vous plaignez? Non, mais en toute discrétion. En toute discrétion. Non, mais c'est... Vous dites au mec, t'as pas assuré, quand même. Non, mais il faut pas dire ça comme ça. Mais on peut quand même... Si le mec, il est super content, il faut quand même lui signaler que... Alors, violer un mec? Bah, ça dépend ce qu'on appelle violer, mais... Et un peu susciter, oui. Enfin, oui. Le mec, il a pas forcément envie, on y met du sien, oui. Ça, oui. Mater un bon porno? Non, un film érotique en costume, vous voyez les trucs. Ouais. Non, mais sur le câble, il y a des trucs, genre, ça s'appelle la série rose, ouais. Avec des costumes, des marquis, ça, j'aime bien. Ouais. Mais c'est pas érotique, on voit pas grand-chose. Mais les pornos trash, ou... ah non. C'est pas votre truc? Ah, du tout. C'est marrant, c'est pas comme Hervé, il adore, lui. Alors, Abdel Malik, donc vous êtes noir, musulman et alsacien. C'est quoi le plus dur à assumer dans les trois? Dans les trois, il y a difficulté dans la société dans laquelle on vit. Ah oui. Le plus dur, c'est quoi quand même le plus... C'est alsacien, non? Bon, on gagne à être connus, nous autres alsaciens. Bien sûr. Alors, au départ, vous êtes catholique, mais vous êtes converti à l'islam. L'avantage quand même de votre conversion à l'islam, c'est que ça vous a quand même permis de changer de prénom, parce qu'au départ, vous appelez Régis. Mais pourquoi? Non, mais ça, non, attendez. C'est... Non, mais je vais vous dire. Oui. Régis, en latin, ça signifie roi. Oui. Et Malik, roi. Roi également. Ah, exactement. Donc l'idée, c'était de dire que je suis dans la continuité et non point dans la rupture. Ah ouais. Vous avez sorti en novembre votre troisième album, Dante, qui marche très très bien, qui est déjà disque d'or. Mmh. Bravo. Alors, c'est un album qui a été enregistré avec la complicité de Gérard Joannès, qui était le pianiste de Brel. On y trouve Juliette Gréco. Vous citez Deleuze, vous citez Derrida. Vous êtes très patrimoine. Il s'agit de préserver le patrimoine et de cultiver la modernité. On a souvent, on peut avoir une attitude assez muséifiante vis-à-vis de certains artistes, des gens comme Brel, des gens Nougaro. Alors que je me dis que tout d'un coup, ils ont inscrit une espèce de dynamique merveilleuse. Ouais. Nougaro, c'est le premier mec qui a fait des mots en français sur du jazz. Mais oui, et à nous autres artistes, c'est une sorte de... Bien voilà, sûr. C'est à nous de saisir le ballon au rebond et d'en faire quelque chose. C'est très bien. C'est votre mère qui vous disait d'aimer la France. Ouais. Quand j'étais petit, ma mère, elle me disait une phrase qu'on ne comprenait pas vraiment. Elle nous disait qu'il s'agit de d'aimer la France si on veut que la France nous aime en retour. Ouais. Alors, ça ne voulait pas dire grand-chose pour nous. Mais en grandissant, vraiment, j'ai compris la portée de cette chose-là. Et pour revenir à l'islam, c'est vrai qu'il y a des idées assez fausses comme ça où on a le sentiment, bon, évidemment, parce qu'il y a eu le 11 septembre et plein de choses comme ça, on a le sentiment que le fait d'être musulman, ce n'est pas cohérent avec le fait de vivre dans une société comme la nôtre, une société laïque, alors que pas du tout. Et moi, c'est même la spiritualité, le travail avec mon maître spirituel qui m'a permis à un moment donné véritablement de comprendre que j'avais une chance extrême que de vivre en France parce que justement, ce principe laïque permet qu'on soit juif, musulman, chrétien, on croit en Dieu, on ne croit pas en Dieu, on vit tous ensemble, on a un même projet de société, parfait. On avance ensemble. Ah, et ça, c'est l'islam qui m'a amené ça. Bravo, c'est bravo. On regarde à quoi ça ressemble. Moi, je pense à celui qui se bat pour faire le bien. Qui a mis sa meuf enceinte, qui lui dit « Je t'aime, je vais assumer, c'est rien, c'est bien. » Qui va taffer des fois même pour un salaire de misère, mais le loyer qui va payer, la bouffe qui va ramener à la baraque, frère, ça sera avec de l'argent honnête, avec de l'argent propre. Ça, c'est du lourd. Je pense aussi à ces filles qu'on a regardées de travers parce qu'elles venaient de cité, qu'on montrait à coup de ténacité, de force, d'intelligence, d'indépendance, qu'elles pouvaient faire quelque chose de leur vie, qu'elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient de leur vie. Ça, c'est du lourd. Mais
T'as le bourgeois aussi, genre emprunté. Mais attention, hein, je généralise pas. Je dis pas que tous les bourgeois ils sont condescendants, paternalistes ou totalement imbus de leur personne. Non, parce que ça c'est pas du lourd. Je veux juste te dire qu'il y a des gens qui comprennent pas, qui croient qu'être français c'est une religion, une couleur de peau ou l'épaisseur d'un portefeuille en croco. Ça c'est bête, c'est pas du lourd. C'est... La France, elle est belle. Tu le sais, en vrai, la France, on l'aime. Y'a qu'à voir quand on retourne au bled. La France, elle est belle, regarde. Tous ces beaux visages qui s'entremêlent. Ça, c'est du lourd. Et quand t'insultes ce pays, quand t'insultes ton pays, en fait, tu t'insultes toi-même. Faut qu'on se lève, faut qu'on se batte ensemble. Rien à faire de ces mecs qui disent vous jouez un rôle ou vous rêvez. C'est eux qui disent vous allez vous réveiller. Parce que si on y arrive, si on y arrive à faire front avec nos différences sous une seule bannière, comme un seul peuple, comme un seul homme, ils diront quoi tous, hein? Ben, que c'est du lourd. Du lourd. Un truc de malade. Voilà, Abdelmalik, c'est du lourd. Extrait de Dante, son troisième album. On passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 1. Imaginons que les Suisses deviennent dingues. D'un coup, ils se mettraient à tirer des roquettes sur Annecy. Mais bien sûr qu'on se laisserait pas faire. Tu m'étonnes, il y aurait légitime défense. Sauf que pour être vraiment légitime, la riposte doit être proportionnée à l'attaque. Or, depuis 2001, les tirs de roquettes du Hamas ont tué 18 personnes, tandis qu'en deux semaines, à Gaza, l'armée israélienne a tué plus de 800 personnes. Alors bien sûr, on dira que le Hamas n'avait qu'à pas commencer. Mais qui a vraiment commencé? Le Hamas, qui depuis sa création en 87 refuse de reconnaître l'État hébreu? Ou Israël, qui occupe les territoires palestiniens depuis 1967 en bafouant le droit international? On pourrait en discuter longtemps. En attendant, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et Obama, lui qui est si fort pour les beaux discours, n'a pas été très bavard sur le sujet. Faut dire qu'il n'est pas officiellement président. C'est seulement le 20 janvier qu'il prêtera serment sur la Bible. Sachant que de nombreux passages de la Bible racontent comment les Hébreux ont mis une raclée à tous ceux qui voulaient les empêcher d'exister, il y a encore le Hamas qui va dire qu'Obama est totalement partial. Alors histoire de ne pas prendre parti, il pourrait jurer d'une main sur la Bible et de l'autre sur le Coran. Ça serait beau comme une chanson d'Enrico, quand tous les enfants de toutes les couleurs se donnent la main. Quant à notre Sarko, il a encore réussi à se mettre en avant pour la photo. Son obsession, c'est de ne pas quitter la une des journaux. Cette semaine, l'actualité, c'est Gaza. Pas de problème, Sarko est là. Nous voulons un cessez-le-feu. La semaine dernière, il était encore président de l'Union et il plaidait pour que l'Europe parle d'une seule voix. Et hop, cette semaine, le voilà qui squeeze tout le balai diplomatique international pour se lancer dans un petit numéro de claquette perso dont il a le secret. C'est ça les artistes, on sait pas exactement à quoi ils servent, mais on ne se lasse pas de les regarder. Voilà, c'était les infos de Blacko 1, mise en image de Julien Grappe, voilà. Alors, Hervé Morin, on commence avec Gaza, évidemment. Vous étiez dans la région avec Sarkozy cette semaine. Le résultat de l'action du président Sarkozy et du président Moubarak, c'est qu'une fois que Sarkozy est parti, les combats ont repris de plus belle et on a même vu l'ouverture d'un deuxième front au nord d'Israël. Donc ça a servi à quoi ? Je crois que la démarche du président de la République a permis notamment que l'Égypte engage une proposition qui est absolument majeure. C'est d'assurer l'étanchéité de la frontière entre Gaza et l'Égypte, qui est une des causes d'arrivée des armes. Une des causes d'arrivée des armes qui permettent ensuite au Hamas de pouvoir frapper Israël. À part André Glucksmann dans le monde, tout le monde trouve complètement disproportionnée la riposte d'Israël. Vous êtes d'accord là-dessus? La France l'a condamnée sans ambiguïté aucune. Mais il y avait une trêve. Et cette trêve a été rompue par le Hamas. À cause de l'embargo. On peut toujours rechercher la cause qui vient d'une cause précédente, etc. Il faut reconnaître aussi aux Israéliens le droit à vivre en sécurité. Tout à fait, mais personne... Et aussi se rappeler que le Hamas a aussi comme volonté la destruction d'Israël. Absolument. Bon. Pourquoi la communauté internationale est-elle complètement incapable
d'ordonner quoi que ce soit à Israël? Pourquoi la communauté internationale est-elle tellement précautionneuse, tellement indulgente avec Israël? Cette analyse-là mérite d'être vue au regard de l'histoire. Et l'histoire que nous devons construire, c'est la construction de deux États vivants l'un à côté de l'autre, en paix et en sécurité. C'est ce qui était prévu. C'est ce qui était prévu. Mais justement, c'est ce qui était prévu par l'ONU. Mais à l'époque, déjà, Israël ne l'a pas fait. Moi, je ne cherche pas à savoir qui est responsable. Dans une histoire comme ça, il ne peut pas y avoir un gagnant et un perdant. Ce n'est pas possible. Ah, moi, je suis sûr que dans 50 ans, ils s'embrasseront sur la bouche. Hein. Nous, on s'embrasse avec les Allemands, donc tout va bien. Le problème, c'est que j'aimerais que ça ne mette pas 50 ans. Bah, d'où le fait que l'Europe ait un message particulier. Oui, c'est sûr. Parce que l'Europe, c'est une école de paix, une école du droit, où on a su imposer la paix et le droit et la norme dans un continent qui s'était entre-déchiré pendant des siècles. Nous, on a su faire quelque chose d'extraordinaire et qu'on pensait impensable. J'ai aussi très peur des conséquences de ces images terribles qu'on voit tous les jours au journal télévisé, d'enfants tués, etc. Et je pense que ça va pouvoir justifier ensuite tous les actes terroristes épouvantables. Et je pense que ce qui est terrible, c'est que ça met le germe d'une violence future, qu'on va peut-être avoir des attentats chez nous ou ailleurs. Enfin, là, c'est aussi tout ça qui m'effraie. C'est sûr que la guerre de la com, Israël est en train de la perdre. Les images que nous voyons tous les jours, c'est insoutenable, insupportable. Et que, bien entendu, pour Israël, c'est et ça va pouvoir justifier ensuite des tas de choses qui seront aussi certainement insoutenables. Ouais. Quoi. Bien. Bah, écoutez, ouais. On continue avec les infos de Blacko 2. On va pas reprocher à Sarkozy le mauvais temps qu'on a en ce moment. N'empêche, on peut pas nier que Météo France mène plutôt une politique de droite. Comme par hasard, l'été, on nous annonce systématiquement du soleil. Du coup, les riches bronzent à Saint-Barth, tandis que les pauvres se dessèchent dans les hospices. Et maintenant que c'est l'hiver, on n'hésite pas à faire tomber de la neige pour que les riches s'éclatent au sport d'hiver, alors qu'on sait très bien que le froid, c'est dangereux pour les SDF. Mais bon sang, si même la nature vote à droite, qui va défendre les plus démunis ? Allez, vous en faites pas les pauvres. Il y a le Parti Socialiste. Il sera toujours là pour vous aider. Alors comme ça, Sarko voudrait supprimer le juge d'instruction. Bah ouais, c'est normal. Comment voulez-vous qu'un petit bonhomme, tout seul dans son bureau, gère des dizaines de dossiers super complexes sans jamais se gourer? Si en plus, il ne partage son travail avec personne, si personne n'a le droit de s'opposer à lui, sachant que la presse finit toujours par hurler avec les loups, pas étonnant qu'il arrive des catastrophes. La dernière fois, c'était le juge Burgot. La prochaine fois, ce sera un autre. Ah non, 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 non. Hein. Tout le pouvoir dans les mains d'un seul, c'est jamais bon pour la démocratie. Moins 50%, moins 60%. Elles sont belles, mes soldes. Allez, on en profite, ma petite dame. Ça, c'est 70%. 55. Ouais, moins 70%. Pas mal pour des petits commerçants aux abois qui vont se prendre la crise en pleine gueule. Mais bon, ne vous précipitez pas sur les soldes. Avec la crise, des tas de commerçants vont bientôt déposer le bilan. Et là, il y aura un déstockage massif de folie. Et encore, même là, ça vaudra la peine d'attendre. Parce qu'avec les manifs et les émeutes qui vont suivre, il n'y aura plus qu'à se servir gratos dans les vitrines défoncées. Allez, bonne année les gens. Et surtout la santé. Voilà les infos de Blacko 2. Mise en image de Julien Grappe. Alors, la météo, il fait froid, donc il fait froid en hiver, ce qui a l'air d'être un scoop. C'est terrible parce qu'il fait très froid au moment où les Français commençaient à croire au réchauffement climatique. Et là, d'un seul coup... Enfin, l'avantage, quand même, c'est que les touristes sont ravis. Les SDF sont recouverts de neige, donc on les voit plus. Bon, moi, je suis alsacien, donc le temps, il fait froid, il n'y a pas de problème. Ouais, tu t'en fous, toi. Ouais, ça va. Ouais. Mais c'est par rapport aux SDF, c'est plus les gens dehors et tout ça. Ouais. Là, c'est difficile. Là, c'est difficile. Alors, il y a aussi le problème de l'audiovisuel public qui nous a beaucoup occupés. Alors, il y a 10 députés du Nouveau Centre sur 23 qui ont voté contre. Vous étiez plutôt pour la redevance, vous, au Nouveau Centre. Le Nouveau Centre veut une recette stable, assuré et garanti pour France Télévisions sur le long terme. Le seul problème de la suppression de la publicité sur France Télévisions, je ne sais plus quoi acheter. Je vais dans les magasins, je suis largué, il n'y a plus personne qui me dise ce qu'il faut que j'achète. Alors, Rachida, on ne connaît pas le nom du père de l'enfant, mais on connaît le nom de l'enfant maintenant. C'est Zora. C'est, ça veut dire Zora. Ça veut dire éclat, éclatant. Ça veut dire bling bling, en fait, en arabe.
Et elle a pris que 5 jours de congé de maternité, hein. Ah, c'est une bosseuse, hein, Rachida. Je sais pas si c'est bien pour les droits des femmes, ça, quand c'est même. C'est ce que je pense. Maintenant, quand t'as une gonzesse qui va dire « Moi, je prends un mois de congé maternité », tu vas dire « Regarde, Rachida ». Alors, on va voir si vous avez bien suivi l'actualité de la semaine. On va faire le champion de l'actu. Qu'a-t-on inventé à Gaza ? Le gaz, la gaz, le gazpacho, la gazette, le gazouillé ou le désespoir ? Le désespoir. Je dirais le désespoir. Et la gaz. La gaz, bravo, Abdelmalik, absolument. La gaz qui a été inventée à Gaza et qui ensuite a été importée au Moyen-Âge en Europe, bravo. Bon, où a-t-on mis en place des brouilleurs de portables afin d'éviter l'échange de SMS quand tout le monde s'emmerde ? Au Conseil des ministres, à Clairefontaine, au PS ou sur le plateau de Vivement Dimanche ? À Clairefontaine. Non. Bon, alors, au Conseil des ministres. Non. Sur le plateau de Vivement Dimanche. Ben non, ben vous avez tous perdu, c'est au PS. Il y a l'Assemblée nationale aussi. Oui. Où les téléphones sont brouillés. Alors attention, on passe maintenant au grand jeu des présidents torse nu. Retrouvez le torse de chaque président. À qui appartient ce torse ? C'est un président de la République ? Président ? Pas encore. Obama. 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 Barack Obama. Il t'a assez bien, il t'a assez bien gaulé quand même, hein. Magnifique. Hein. Ah, sublime. Ouais. Lui, c'est le premier soir, lui. Ah oui. La première heure. Non, non, mais, non, mais c'est vrai. Mais c'est bon, voilà. Je pense pas magnifique. Qu'il va me regarder un jour. Allez, mais... très beau. Alors, attention, à qui appartient ce torse ? Poutine. Poutine, bravo. Abdelmalik, absolument. Attention, à qui appartient ce torse ? Hervé. Hervé, oui, il a peur de se faire engueuler, Hervé. Bon, alors ça doit être la précision de Nicolas Sarkozy. Mais... C'est la photo où ils ont enlevé les bourrelets dans Paris Match. Journal sympathique. Attention, à qui appartient ce torse ? Ouais, mais... Il a des implants sur la poitrine, même. Berlusconi ? Oui, Berlusconi. Bravo, Anne Roumanoff. Attention, on continue. Qui vient de tourner à Paris dans Inglourious Basterds ? Le prochain film de Quentin Tarantino. Claude Chirac, Jean Sarkozy, Marie de Villepin, Thomas Hollande, Vanessa Balkany ou Thomas Fabius. Marie de Villepin. Oui. Marie de Villepin, voilà. Comment tu sais ça ? Je l'ai lu. Mais tu as bien suivi l'actualité de la semaine, alors. Marie de Villepin, absolument. Il y a au moins une dans la famille qui a du boulot. Alors... Gilles Bernheim est devenu le nouveau grand rabbin de France. Mais quelle est la taille exacte de ce grand rabbin ? J'ai déjeuné avec lui cette semaine. Alors, donc... alors vous allez répondre. Oui. 1m65, 1m72, 1m85 ou 2m10 ? 1m85. Bravo ! D'où le nom grand rabbin. 1m85. Que fait Roselyne Bachelot quand on lui parle des sans-abri morts de froid ? Elle pleure. Elle explique que le gouvernement fait tout pour résoudre le problème. Elle soupire en levant les yeux au ciel. Elle dit que c'est pas elle qui les a tués. Elle rigole ou elle s'en va. Bah, elle explique que le gouvernement fait tout pour résoudre le problème. Non, elle pleure. Non. Elle soupire. Oui ! Elle soupire. La réponse en images. Deux sans-abri ont été retrouvés morts hier en région parisienne et votre collègue Christine Boutin dit tous les gens... Extraordinaire, extraordinaire. Elle lève les yeux au ciel. Faites gaffe, vous, de ne pas faire des trucs comme ça, là. Quand on vous dit qu'il y a un soldat français mort en Afghanistan, vous faites... ça serait un peu con pour vous, mais enfin... Alors, qui a déclaré à l'occasion des vœux, c'est une année nouvelle 2009 qui prend la place de l'année 2008. Martine Aubry, Laurence Ferrari, François Bayrou, Coé ou Philippe de Villiers. Hervé ? Peut-être. J'hésite entre Aubry et Bayrou. Et vous choisissez ? J'irais plutôt dire Bayrou. Bravo ! Bon. Parce que c'est plutôt dans ces formules. Ah, c'est fou, c'est une formule absolument imbécile. Bon, attention. Non. Enfin, pas terrible. Allô, à combien on est là ?
c'est le ministre qui gagne. Waouh, 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 waouh. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Ouais. Comme vous le savez, en P3, nous recevons l'auteur d'un essai, d'un document, d'un témoignage. Et ce soir, le docteur Patrick Peloux, mesdames, messieurs. Toujours en compagnie d'Hervé Morin et d'Abdelmalik. Voilà. Alors, mais d'abord, évidemment, Guillon, prospective 2009. Que va-t-il se passer en 2009? C'est la semaine de Stéphane Guillon. Janvier, on commence l'année avec un record absolu de SMS. Orange, SFR et Bouygues se frottent les mains. En effet, il a fallu féliciter tous les pères potentiels de la fille de Rachida Dati. Janvier toujours, la merde n'a plus la cote, l'épidémie de gastro-entérite s'arrête, la méthode Coé aussi. Février, 25 nourrissons congelés dans l'Isère. Le groupe électrogène d'une maternité a lâché, transformant l'établissement en un frigidaire géant. La famille Courgeot perd son titre. La petite Zora Dati n'a toujours pas de cheveux et son regard reste désespérément vide. Les spécialistes sont unanimes. Bernard Laporte serait bien le père. Et malgré la crise, l'action Baby Dior a grimpé de 75% depuis la naissance de Zora. En mars, vente exceptionnelle de montres anciennes chez Christie's, la collection Julien Drey. Vu le nombre et l'importance des lots, les enchères pourraient durer 3 jours, paiement en liquide obligatoire. Avril, Zora Dati a dit son tout premier mot, padre, papa en espagnol. La femme de José Marie Aznar demande le divorce. Avril toujours, Christine Boutin tombe enceinte. Poisson d'avril, pardon, c'est un poisson d'avril. Juin, pour la fête de la musique, France 2 diffuse un concert de Carla Bruni, France 3 un making-of de son album et France 4 un documentaire Carla Bruni côté cœur. Nicolas Sarkozy se félicite de la diversité du service public. Et une diversité qui paye, puisque Carla Bruni décroche toutes les victoires de la musique 2009. Applaudissements pour Carla, c'est normal. C'est normal. Juillet, en Corse, mise à pied du chef de la police après qu'un nationaliste ait couché avec la femme de Christian Clavier. Oh non. C'est la deuxième fois en un an qu'on pénètre dans un bien appartenant à l'acteur. Juillet, pour faire rire ses camarades de crèche, Zora Dati recrache systématiquement sa purée. Un humour potache qui évoque celui d'Arthur. Ce n'est plus moi le père s'enthousiasme, Rosé Maria Aznar. Septembre, entrée de Bernard Tapie à la Comédie Française et sortie des mémoires de Sophie Davant. On vous l'a dit, c'est vraiment une année de merde. Julien Drey déclare qu'en cas de condamnation, il ne portera pas de bracelet électronique. C'est encore plus moche qu'une Swatch. Je préfère crever. Fin de citation. Octobre, mort de Jean-Pierre Elkabbach. Avant de se réjouir, la famille de Pascal Sevran demande qu'on vérifie l'info. Octobre toujours, Dieudonné en Amérique du Sud. L'ancien humoriste est à la recherche des derniers dignitaires nazis pour son prochain spectacle à Bercy. Julien Lepers a d'ores et déjà réservé sa place, comme il l'avait fait au Zénith en décembre 2008. Novembre, la petite Zora bouge les épaules dès qu'elle s'énerve, en avançant le menton. Une nouvelle piste en paternité, le frère du président Sarkozy. Ah oui.
Décembre, on termine l'année en beauté. Dominique Besnard et Ségolène Royal en duo au Théâtre du Point Virgule. C'est une pièce formidable. Alors, ça se passe dans un dîner. Il y a tous les socialistes qui disent du mal de Ségo. Il y a Fabius, Martine, Bertrand, enfin, tous les crevards. Ils disent qu'elle est cinglée, mystique. Et à ce moment-là, j'arrive, je descends des cintres habillé en d'Artagnan. Et là, je la venge. J'ai une botte secrète, je les trucide un par un. Et à la fin, ça, c'est le meilleur moment. J'embrosse Martine Aubry comme une dinde. C'est magnifique. Faut venir à la semaine prochaine. Salut Thierry, ouais, salut. Stéphane Guillon. Merci Stéphane. Évidemment, ça n'était que de la prospective et toutes ces nouvelles sont bidons, bien sûr. Donc on retrouve Stéphane la semaine prochaine en début de P3 désormais. Alors Patrick Peloux. Patrick Peloux, mesdames, messieurs. Le George Clooney français. Vraiment, le mec d'urgence, what else, c'est vous. Voilà, voilà, c'est ça. Alors, vous êtes ici pour un livre intitulé « Urgence pour l'hôpital » au Cherche Midi, auquel quelques accidents récents ont donné une acuité toute particulière. 4 décès en 10 jours, apparemment provoqués par des erreurs ou des négligences à l'hôpital. Et encore, dites-vous, ce n'est que la partie émerger de l'iceberg, parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus. En fait, il y en a. On parle de 400 incidents par jour. Il y en a certains qui nous taxent et qui me taxent de misérabilisme, mais parler des choses qui fâchent et avoir un regard véritable sur les conditions de travail, sur la situation dans les hôpitaux, on a la culture de la fraternité et de l'égalité dans notre pays. C'est quelque chose qu'il faut absolument avoir au niveau des hôpitaux. Ouais. Alors vous dites que le système hospitalier ne cesse de se dégrader en France. 100 000 lits ont été supprimés en 10 ans. Et la loi Bachelot va détruire, dites-vous, 20 000 emplois dans les hôpitaux. Oui, les 20 000 emplois, c'est commencé. C'est la première fois dans l'histoire des hôpitaux que sont ouverts des bureaux de reclassement, ouais, notamment au CHU de Nantes, à l'hôpital du Havre, à Nancy. Donc un petit peu partout, ils les annoncent. Et il y a encore quelques années, quelques mois, on disait on manque d'infirmières, on manque de médecins. Et là, maintenant, on ouvre des bureaux de reclassement en leur disant « tirez-vous ». Donc du coup, c'est des pans entiers du service public qui s'en vont. Aujourd'hui, dans les salles d'attente des urgences, on met des vigiles qui sont chargés de faire taire les gens qui ne veulent pas attendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être patient, il faut être patient. Faut être patient. Mais en même temps, l'hôpital absorbe la moitié des dépenses publiques de santé, soit 52 milliards d'euros par an, alors, qui est un des plus élevés du monde. Hein. Est-ce que ça ne veut pas dire que les hôpitaux sont mal gérés? Quand le chef de l'État dit « il faut réorganiser », on peut être que d'accord. Mais le cap qui a été fixé, ça a été l'hôpital-entreprise. Oui. C'est-à-dire que c'est une erreur. Parce que... C'est-à-dire ce que vous dites, pour bien expliquer aux gens, vous dites que l'hôpital est rentré dans une logique d'hôpital-entreprise qui est en fait antinomique avec la notion d'intérêt général, de service public. Ah bah actuellement, avec la nouvelle gouvernance qu'ils ont mise, il y a plein de médecins qui sont... je connais plus d'un éminent professeur universitaire qui était de brillants anesthésistes, brillants réanimateurs, brillants chirurgiens, qui passent plus leur temps qu'à faire des réunions et de la paperasse, qui font de la gestion pour laquelle ils n'avaient pas été formés. Puisque l'État leur paye, en France, on a cette chance que l'État paye les études des médecins. Et quand ils arrivent à 35-40 ans, on leur dit « maintenant, vous allez faire de la gestion ». C'est le monde à l'envers. Vous avez ici un ministre de la République, Hervé Morin en l'occurrence. Est-ce que c'est vrai ? Il doit avoir au moins 10 médecins dans sa famille. Ouais. Donc c'est un sujet que je connais un peu. Donc Expliquez-nous, est-ce que c'est vrai qu'on rentre dans une logique d'hôpital-entreprise qui est au-delà de la mission de service public ? Je connais bien Patrick Peloux et je connais la passion qui est la sienne. Et donc, sa passion l'amène aussi à l'exagération. Ouais. Reconnaissons-le. Non. Il y a un besoin de réorganisation du secteur hospitalier qui est évident. On a à la fois besoin d'hôpitaux de proximité pour toute une série de soins, de consultations, de petites opérations, d'appendicite, j'allais dire, pour faire court. Et puis, on a besoin de pôles spécialisés avec... Pour le cancer. Pour des grandes opérations, pour faire simple et schématique. Et donc, on a besoin aussi d'adapter le secteur hospitalier
à des besoins nouveaux. Et donc, il y a des gens qui meurent j'entends parce bien, que l'hôpital est incapable de les accueillir. Oui, non, mais bon. On a besoin de réorganiser les choses. Mais l'hôpital français, qui était deuxième, est dixième maintenant. Donc voilà, c'est tout. Ouais. Il y a une dégradation accélérée de l'hôpital. Et quand on apprend cette dégradation accélérée de l'hôpital, on se dit, un pelou qui nous casse les couilles depuis des années avec ça, il n'avait pas tort. Il y a tellement de restrictions budgétaires. On donne des centaines de milliards à des banques et des assureurs. Il manque un milliard pour faire, pour boucler dans ce genre de délire. Non, c'est pas des gens. Ce n'est pas démagogique. Ce n'est pas démagogique, c'est incompréhensible. Un milliard, ce qui permet d'embaucher à contrat à durée déterminée des jeunes qui ont envie de s'investir, des jeunes infirmières, des jeunes médecins qui ont envie de travailler à l'hôpital. Ne dites pas que les gens n'ont pas envie d'aller travailler à l'hôpital, c'est faux. Il y a des tas de jeunes qui ont envie d'y aller et les anciens ont envie d'y rester. Bon, mais faites attention, ils parlent. Il y a quand même un truc. Sur l'anticipation, depuis des années, nous demandons, c'est énorme, on demande une réunion au mois de juin pour les fermetures de lits d'hiver. Depuis que le monde est monde, on sait qu'au mois de novembre et décembre, il y a l'épidémie de bronchiolite qui précède la gastro-entérite, puis la grippe, et donc ça s'encombre. Hein, depuis que le monde est monde, tout le monde le sait. Eux, ils le savent, tout le monde le sait. Les musiciens, tout le monde le sait. Bon, il n'y a que le ministère qui ne sait pas. Bon, ce qui fait que là, après, évidemment, c'est facile. Les morts, ne parlent pas. Les personnes âgées, elles parlent pas trop, donc c'est facile. Après, les familles, qu'est-ce qu'ils font? Bah voilà, ils sont dans la douleur et la souffrance. Moi, je suis désolé, j'ai la possibilité d'aller chez Thierry de temps en temps, etc. Voilà, je le dis, haut et fort. Bien sûr, je peux parler des trains qui arrivent à l'heure. On prend les infarctus, on a la high-tech avec le SAMU, notamment le SAMU de Paris où je travaille maintenant. C'est la high-tech. Quelqu'un qui fait un infarctus ici, mais dans 20 minutes, une demi-heure, il est sur la table de coronarographie. C'est pas forcément le cas ailleurs. Et c'est ça le drame. C'est-à-dire que progressivement, nous laissons glisser des dysfonctionnements qui sont banalisés. C'est la banalité qui est en train de tuer le système. Et derrière ça, nous créons les premières violences. Parce que ces violences-là, c'est des gens qui arrivent à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital, pour eux c'est tout. D'ailleurs on remarquera que quel que soit le système, y compris sous les bombes israéliennes là à Gaza, c'est l'hôpital qui est présent. C'est partout l'hôpital qui reste. Hein. Même dans l'armée, la première chose qu'on montre c'est toujours le soutien sanitaire. Donc je ne dis pas que là on est leader de quelque chose, ou qu'on possède un pouvoir. Je dis qu'on est indispensable à l'équilibre de la société. Je vire Bachelot, j'envoie Bachelot sur la Lune, ce qui est à peu près votre idée quand même. Si vous êtes ministre de la Santé, qu'est-ce que vous faites demain? Un, je rouvre les centres de santé partout où ils ont été fermés, dans les quartiers les plus difficiles notamment. Deuxièmement, il faut absolument rénover les études de médecine et changer une partie du statut des hospitalo-universitaires pour que vraiment on redonne du sens scientifique à la médecine. Et moi, je vous le dis... Qu'est-ce qui vous fait vomir dans le monde médical actuellement? Les dépassements d'honoraires et les dessous de table dont j'entends parler sur les consultations privées. C'est-à-dire, si on file 500 euros, on peut être opéré avant les autres. Bien sûr. C'est vrai, ça. Ouais. Entendons-nous bien, jamais personne ne porte plainte parce que les gens ne veulent pas porter plainte. Ils ont envie d'être opérés. Ouais. Et la dernière fois que votre cœur s'est arrêté de battre, c'était pour qui? On a fait avec le SAMU de Paris, on a fait une pauvre dame qui est décédée. C'est difficile, c'est atrocement de son cancer à domicile. Il a fallu gérer la famille qui était derrière la porte. Ça, c'est chaud. À vous de voir des trucs. Effectivement, qu'est-ce qu'on a besoin de ces gens-là quand on va mal? Et c'est vrai, quand on voit ces infirmières qui sont payées des clopinettes, qui passent des jours et des nuits. Et maintenant, ce qu'on dit, on sait quand on part travailler à l'hôpital, on ne sait pas quand on revient de garde à vue. Ouais. Parce que maintenant, quand il y a un dysfonctionnement, paf, la police vient nous chercher, puis vous êtes en garde à vue. Ça, c'est pas normal. Donc, je propose un big up pour les infirmières. Voilà. Voilà, ben c'était Salut les Terriens avec Hervé Morin, ministre de la Défense. Merci, monsieur le ministre. Anne Roumanoff, pour le DVD de son spectacle Anne a 20 ans et le DVD du best-of chez Drucker, On ne nous dit pas tout. En
tournée dans toute la France, voilà, avec son spectacle Anne 20 ans et plus. Abdelmalik, bonsoir. Son album s'appelle Dante. Il est déjà disque d'or, bravo, ça marche très bien. Patrick Peloux, Urgence pour l'hôpital, au Cherche Midi. Je vous laisse en compagnie du multiplex de foot ce soir pour la 20e journée de la Ligue 1. À la semaine prochaine. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.